C'est quoi ce que je vais faire, c'est que je regarderai chez moi. Ouais, par contre, tu me rends mon téléphone, frérot, là. Mais non, je regarderai chez moi. Mon téléphone. Et si je prends vraiment mon téléphone, je m'en fais pour. Salut l'équipe, c'est Mickaël H. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est en compagnie d'Ibra TV. C'est ça. Ah non, non, attends, non. Non, frérot, viens, viens. Je m'excuse. Frérot, non, non, c'est bon, frère. Il va... Au secours, police, aidez-moi. Non, je suis en compagnie de frérot Kamoff, regardez. Kamoff, c'est Kamoff, c'est Kamoff. C'est Kamoff, c'est Kamoff. Câlin, 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 câlin. Pas trop, non, doucement, 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 quand même, doucement. Donc, comme vous pouvez le voir, la famille, on est en compagnie du frérot Kamoff. Il est là, le sang, je sais pas si... Pardon, excuse. Je me suis emporté. Ça arrive, je me suis emporté. Je me suis emporté. Bon, c'est pas grave. On est en compagnie du frérot Kamoff, comme vous pouvez le voir. Le meilleur duo de YouTube, comme vous l'avez dit dans les commentaires, comme vous l'avez dessiné. Donc maintenant, bah, on a pris la grosse tête, bien évidemment. Hein. On est les meilleurs, on est les numéros 1. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le frérot. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description, il y aura le lien. Faites-lui péter le million, parce que sinon, débarque chez vous et on prend vos ordinateurs et on s'abonne avec. C'est bon? Donc aujourd'hui, le sujet, il est très simple. Tomber sur un mec qui se prétend être le cousin de Gazo. Donc je sais pas si vous connaissez Gazo. Jusqu'à ce que je taille, mission, il va falloir que j'y aille. Ah, c'est un fou là, je fais des PG, je suis sous BLV. Voilà, vous avez capté le délire un petit peu. Donc voilà, Gazo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très grand rappeur. frérot, tu m'as dit que t'aimais bien. C'est bien. Franchement, si tu regardes la vidéo, frérot, on te kiffe. Moi, je te kiffe. Écoute tous les jours même. Donc du coup, on est tombé sur un mec, en fait, qui m'a contacté sur Instagram en me disant qu'il était le cousin de Gazo et qui me proposait 20 000 euros que je puisse faire un feat avec Gazo. J'ai direct capté que c'était une arnaque. Ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai décidé d'en faire une vidéo, de lui donner un rendez-vous et de le piéger avec mon frérot de toujours. Ça fait bientôt 5 ans qu'on a sorti notre première vidéo ensemble. C'est bientôt 5 ans qu'on est en couple. Après frérot, faut que je t'avoue quelque chose, c'est que maintenant bah, j'ai rencontré une copine. Donc on va devoir se séparer. Mais on pourra continuer de faire des vidéos ensemble. C'est juste qu'après les extras et tout, ça sera terminé. Non, non, je suis pas d'accord. On peut faire moitié-moitié, un peu avec elle, un peu avec moi. T'en parleras à ma copine, hein. Non, on a besoin d'en parler. Bon, je fais un petit bisou à ma copine et tu l'en parleras. Hein. C'est moi, c'est pas moi qui. Je veux pas être mêlé à ça, non, moi. Okay, allez, c'est bon, la famille. On va l'attendre tout simplement, on va s'asseoir sur ce banc. On vous fait une petite coupure et dès que le phénomène arrive, c'est parti. Let's go, à de suite. Là, il a dit qu'il arrivait d'ici 2 minutes, donc écoutez, il devrait pas tarder à arriver. Et dès qu'il arrive, ben, on commence, hein, c'est parti. Hein. Attends, j'ai un truc à dire. Ouais. C'est bon, on peut y aller. Très bonne intervention. Oui, je suis sûr. Là tu gagnes le débat présidentiel, hein. Là, t'es élu. Frérot, c'est lui, non? Ouais, c'est lui. Mais il ressemble pas sur les photos. Il est pas peut-être sur les photos. On dirait l'habitude. Ouais. Je pense que c'est mieux, ça se voit. Salut. Ça va, frérot? Ça va. Tranquille. Quoi, je veux dire, ça va comment? Ouais. Ouais, tranquille. Je vous connais, oui, vous faites des vidéos. Ouais. Ouais, non, il vaut mieux. Pas trop le dire. Ouais. Ouais, regarde, frérot, c'est... Je savais pas, en fait. Tu savais pas? Non, je sais pas. Non? Ah oui, c'est l'amour, hein. Ça fait 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans. Pourquoi tu regardes comme ça? Comment? Pourquoi tu le regardes avec cette air là? Non, moi j'aime pas trop ça, moi. J'aime pas les mecs, tu vois, mais après je vous... Non, mais attends, attendez, mais... Pourquoi tu le regardes comme ça? Comment ça, je le regarde? Je sais pas, tu le regardes d'un air, tu le désires, on dirait... Je le désire? Bébé, ah non, bébé, tu vas pas commencer à me refaire... Ah, arrête, c'est bon. Non, mais il me fait toujours ces crises de... Non, mais déjà... Tu t'appelles comment? Ganache. Ganache? Mais pourquoi tu parles avec lui sur Insta et tout, Non? Non, mais ça tombe bien que tu sois là, frérot. Mais bébé, arrête tes crises de jalousie. Non, franchement, je suis... C'est pour le feat avec Gazo, mais non, bébé, sérieux, arrête. Je suis pas d'accord, tu parles avec des mecs dans mon dos, tu me le dis pas, et moi, après, le mec, il arrive ici, il me dit, ouais, vous me parlez ensemble sur Insta, il t'a envoyé des photos. Non, mais non, pas du tout. Ça, c'est parce qu'il voulait faire un feat avec mon cousin, tu vois, business, frère. Juste business, tu peux faire un... Attends. Non, attends. T'embrouilles pas. T'embrouilles pas avec lui, il t'a rien fait. C'est toi que je vais m'embrouiller. Pourquoi tu lui passes ses photos? Pourquoi tu envoies des photos? Tu parles avec lui dans mon dos. Je vais pas envoyer des photos. Toi, t'as... C'est pas possible.
Non, toi, c'est toi. Je l'ai pas envoyé de photo. Bébé. Pourquoi il rigole, il vous... Je sais pas ce qu'il a. Pourquoi tu fais ça? Je l'ai pas envoyé de photo. Je t'ai dit, je veux pas que tu parles avec... C'est moi qui ai accès à ton compte Instagram. Pourquoi tu parles dans mon dos? Pourquoi tu changes de mot de passe? Bah attendez, venez, on s'explique. Venez, on s'explique. Mais du tout, pourquoi tu fais ça? Mais j'ai fait quoi? Mais tu parles avec lui! Pourquoi tu parles avec lui? Tu as besoin de parler avec lui? Mais c'est pour le feat avec Gazo, c'est pour ma carrière. On en a déjà parlé pour ma carrière. Ouais, mais moi, tu vois, pour ta carrière, le problème, c'est que je dois faire des sacrifices et je suis pas trop d'accord. Je sais, mais on, c'était, on avait accepté. Ah, il m'a envie. Ganache, frérot. Ouais, ganache. Frérot, c'est juste pour le feat avec Gazo. Bon, je m'en fous de lui. Tu peux rentrer chez toi, s'il te plaît, frérot? Comment il s'en fout? Qu'est-ce que tu veux pour des sous? Ton pote, il m'a dit des sous. Il a des sous, je suis avec lui. Tu regardes mon copain. Tu lui expliques pas voler les bails ou quoi? T'as ton copain là, ou t'as ton mec, je sais pas comment on dit. Mais je lui ai dit que je voulais faire un feat avec Gazo. Ben voilà, mais tu es courant. Mais non, je suis devenu. Mais non. Avec les. Non, mais attends, je suis. Je suis désolé, c'est parce qu'il est. Il est un peu jaloux. On a du. Pourquoi tu veux? Il est un peu. Il s'en prend déjà de l'un. Et moi, je suis pas. Tu m'as pris pour qui, toi? C'est bon, calme-toi. Il t'a rien fait. Mais t'as rien fait. Tu défends. Mais non, je le défends pas. Ça veut dire quoi? T'es trop proche. Mais non, pas du tout. Tu défends, casse-toi. Mais non, t'as rien fait. Mais non. Pourquoi? C'est moi qui me casse. Non, reste. Mais reste, Anto. Viens. Voilà, il est fou. Elle devient toxique, notre relation. Dès qu'on tombe sur un mec beau gosse, à chaque fois tu me fais des scènes. Pourquoi beau gosse? Ça veut dire que je suis trop beau gosse. Tu vois, tu me non, prends non. Tu me rends pour un abruti. Hein. Mais... Tu rigoles, tu me prends pour... Tu me dis je sais pas quoi, et là d'un coup tu me dis beau gosse. Ben mets-toi avec lui, vas-y, un caplon. Vas-y, sketch. C'est bon, non, et oh. Tu me défends. Oh, c'est bon. Attends, juste un truc. Parle-lui de dos. Et je vais regarder ce de dos. C'est bon, frère. Toi, parle-lui de dos. Attends, ok, je parle de loin si tu veux. De dos. Attends. De dos. J'ai juste une question. Mais pourquoi tu dis voilà depuis tout à l'heure? Parce que je dis voilà, il y a quoi? Il y a gros, c'est pas normal. Mais non, mais t'as pas la tête à. Après, je juge pas, tu vois. Mais non, j'ai. Comme ça. Juste une question, t'es religieux ou pas? Non. Pourquoi tu dis voilà depuis tout à l'heure? T'es chrétien? Oui. Tu dis voilà. Et alors, c'est comme ça, gros, on a grandi de savoir ça ensemble. Pourquoi tu essaies de savoir toute sa vie? Arrête, bébé. On est là pour faire les trucs. T'es en train de me faire chier avec gaz. T'es en train de me casser les couilles. Tu pleures, toi, pourquoi il pleure, lui? Il pleure pas, c'est parce que je veux faire le fit. Hey, Gazo. C'est bizarre, la vérité, j'ai pas envie d'assister à un divorce ou un truc comme ça. Moi, je suis venu pour le business, les gars. Bon, c'est bon, tout le monde est calmé, on peut parler. Alors, le business maintenant. Oui, moi. Ok. Longtemps, tu t'attaches pas à lui, sinon. C'est bon. Donc, toi, t'es le cousin de Gazo. Ouais. Mais y a pas un problème au niveau de la cou... Moi, je. Tu vois, je juge pas, mais. On est métissé, frérot. Au niveau de l'épiderme. Je suis métissé, la tête de ma mère, je suis métissé, mon pro, je suis ça, ouais. T'es métissé? Eh oui. T'as une même blanche comme une. Je suis plus foncé que toi, frérot. Plus foncé que ça. Eh oui. Lui, il le sait. Bah oui, frère. Vous êtes des malades. Mais non, mais. Métissage, gros, t'inquiète, au second degré. Mais c'est. C'est ta tante. C'est sa cousine. Tu as compris? Oh là. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Je crois que c'est une famille. On s'en gagne, frérot. Non, qu'est-ce que tu dis? Non, attends, non. Ta tante, c'est ta cousine, frérot. Tu es truc, t'en dirais un anglais, frère. Tu viens du nord? Non, je viens pas du nord, frérot. Moi, je suis de Marseille. De où? La Castellane, moi. La Castellane? Heureusement. Le bâtiment. Le F. Hein? Le quoi? Le F. J'abandonne, frère. C'est quoi le F? Bâtiment F. J'abandonne. Bâtiment F? Ça existe pas. Je sais, frère. Bâtiment F. Eh oui. Il est où le bâtiment F à la Castellane? Quand tu rentres, tu as vu la Castellane quand tu rentres dans le bagou? Vas-y. Oh, y'en a plein, gros. Scooter, à pied, en voiture. Non, attends, dis-nous comment tu rentres au bâtiment F à la Castellane. Tu rentres dans le quartier, gros. Tu commences par le bas. Tu vois, par le bas. La tête de ma mère, là, tu as vu là où il y a le réseau en bas? Tu montes là, il est. Eh oui, gros. Ici, devant. Tu vas à gauche, à droite. Là, il y a mon cousin Momo. Tu as vu la ligne? Tu vas à droite. La tête de ma mère, tu as vu ici. Ah, c'est un phénomène, lui. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est chez moi qui rentre chez moi, c'est pas toi qui rentre chez moi. On dit homme qui rit, homme à moitié en son lit. Ouais. Donc commence pas à trop rigoler, je vais te mettre des taquets dans la bouche sinon. Non, mais les gars, tu piques des rapides là. J'aime bien, mais on a dit que ça restait entre nous, ça. Bon, écoute. Ouais, c'est bon, on a terminé les disputes, y'a pas de soucis. Moi, je te propose un truc, c'est que tu m'as demandé 20 000, c'est ça? Ouais. Ok, je peux t'offrir un Capri Sun si tu veux. Avec les 20 000, tu m'en fais une boîte de Capri Sun, frérot. Et allez, maintenant, ça l'invite à boire. Ah non. Un kebab, frérot. Maintenant, tu l'invites à boire, quand même. Non, c'est les Capri Sun de Jules qui nous a donné la dernière fois. On bat les Capri Sun, gros, je suis venu pour la monnaie, gros. 20 000, on a dit. 20 000 pour le feat. Mais... On fait quoi, un vrai feat et tout? Heureusement, tu viens en studio. Mais faut que tu m'en tapes. Il pose son couplet, moi je pose mon couplet. Ouais. Et après on fait le refrain ensemble. Les sous.
Et après, je vais percer dans le rap et tout. Tu feras vendre une photo avec lui. C'est payant les photos? Ouais, ouais, je crois qu'il fait payer, mais après, ça dépend si tu veux avec lui gratuit. Gratuit? Ouais, tu viens avec lui le jour de la session. Dis-moi là, frère. Il nous connaît ou pas? Il connaît de nom. C'est pour ça que je suis venu en fait. Bon, vas-y, moi je suis chaud pour te donner l'argent. Juste, il faut que je vois un truc. Il me faut une petite preuve, t'as capté? Ouais, bah après, t'as pas un truc. Moi je demande tout, frère. Moi j'ai tout. Ouais? Ouais, j'ai tout. T'as tout? C'est mon cousin, gros. Je t'ai dit, j'ai des trucs avec lui. Ouais? Tu veux voir, tu regardes, tu regardes tout ça là, frère. Fais voir. Tu guettes, tu regardes ça, tu regardes là, frère. Ça, c'est les photos. T'as pas une photo avec lui? Bien sûr, attends. Là, frère, j'ai même des vidéos et tout, studio et tout. Voilà. Mais là, on dirait que c'est une photo que t'as pris dans la rue avec lui, frère. Mais non, je voudrais que tu l'as croisé, là. Regardez, il y a le studio, là, il y a le micro au fond derrière. Tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je regarderai chez moi. Ouais, par contre, je suis vraiment mon téléphone, frérot, là. Mais non, je regarderai chez moi. C'est mon téléphone. Et si je suis vraiment, vraiment mon téléphone, je m'en fais pour. Calme-toi, ah, il m'a essoufflé là. Tu m'écoutes ou pas? Calme-toi. Écoute, regarde, je vais te montrer un truc. T'as vu? Depuis tout à l'heure, t'es filmé, on se fout de ta gueule. Y'a pas de. Mais gros, on est Mikalas. C'est Kamov. À quel moment tu t'es dit? On va pas te piéger. Parce que c'est le business, c'est mon cousin, tu as compris. Mikalas. Là, j'ai Kamov. Oui, alors. Nos chaînes YouTube, on piège les escrocs. Alors. Toutes nos vidéos chaque semaine. Je suis pas un escroc, voilà. Tu vois, tu es énervé. Je regarde et si demain je suis convaincu. C'est bon, je me le rends là de suite. Non. Vraiment le. Mais non, parce qu'en fait, le truc. En fait, tu vois. Non. En fait, le truc, tu vois, frérot, c'est que. Regarde, tu vois là-bas. En fait, il y a une caméra qui te filme depuis tout à l'heure et en fait, le téléphone, je vais aller l'amener directement chez lui. Mais t'as fait quoi, merde? Tu fais quoi? Mais toi, la caméra. Bon, la famille, mission accomplie. On a pu récupérer le téléphone, donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'emmener chez les flics. Comme ça, ils vont pouvoir analyser et voir le nombre de personnes qu'il a arnaqué, tout simplement. Et comme ça, bah, il pourra bien rendre compte. Espèce de grosse. J'ai son téléphone. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Avec un peu de chance, on s'en embrasse. Et ah ouais, ouais. Ah ouais. Vas-y. Ah ouais. Oh. Oh, ça sent la suite. Oh, ça sent la suite, ça. Sent une suite, ça. Oh, ça sent la suite, ça, frérot. C'est incroyable. On va faire un truc, si on retrouve son adresse, on se pointe en bas de chez lui, et là, ce sera pas la même. C'est bon, frérot, t'es chaud? Abonnez-vous à la chaîne du frérot Ibra TV. Ah non, mon bébé. Ah, vous avez la chaîne du frérot Kamov. Oh non, c'est bon. Je suis insupportable, la famille, il en peut plus de moi. Genre chez lui et tout. Ce qui se passe, c'est que la nuit, je viens me mettre dans son lit et tout. Je ne peux pas lui dire ça, il verra dans la vidéo, mais là, cette nuit, en fait, ce que j'ai fait, c'est en fait, genre chez lui, il a une chambre d'amis. Mais comme il fait un peu froid, ben, moi, je viens, je me vis sous les draps et tout à côté de lui. Il le sait pas, ça. Et il verra dans la vidéo. Ça va, frérot? Non, t'inquiète, ça va, j'étais en train de raconter à quel point tu faisais des bonnes vidéos et tout. T'es une Je t'aime, frérot. Allez. Non, tu sais comment on m'a doué, c'est pas bien. Abonnez-vous à la chaîne du frérot Kamov, abonnez-vous à la chaîne de Mikalash. Sur ce, c'était Mikalash à Kamov et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures la nuit.